Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de le maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueillés, du mépris des hontains. Mes bien-aimés, la paix de Dieu soit avec vous. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et nous remercions même qu'à suivre nous un peu partout dans le monde. Cap suivons-nous depuis Brésil, cap suivons-nous depuis Chili, cap suivons-nous ainsi aux États-Unis, en Haïti, République Dominicaine et tant d'autres pays. Nous saluons pour la gloire de Dieu et nous remercions chaque monde qui fait un travail spécial et qui partage pour la gloire de Dieu. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a eu faveur, il a eu opportunité qu'il était capable de faire ça, parce que sans vous-même, le travail n'est pas possible. Chaque fois, fait ça. Ou aidez-nous à éparpiller l'évangile là plus loin, parce que la mission de l'évangile, c'est semer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est mission l'évangile là, ça. C'est pour l'évangile arriver jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que fait à chaque monde qui recevra l'évangile, qui vient devenir un croyant en Christ. Bon Dieu, comptez sur vous. Les comptez sur comme ils ont travaillé dans le champ liant. Les comptez sur comme si yon kap vin aidil. Pas yon kap vin détu, mais si yon kap vin aidé. Gon progressive qui fait notre travail là. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour ça. De ce qu'il est capable de mettre nous ensemble pour nous la prière yon pour l'autre. Parce que des fois, il y a des moments dans la situation qu'on y est, on n'a pas de force assez pour la prière. On n'a pas assez de courage, assez de capacité. Et pas vouloir pas t'avouer prier, mais étape ou bien trajectoire ou traversée, on n'a pas assez de permission ou on n'a pas assez de force pour la prière. C'est ça qui fait très important lorsque nous faisons seul. L'incapable à prier pour l'autre. Et bien, soyez nous lisons, c'est dans le psaume 123 qui dit: je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Des fois, on était, ou qu'on arrivait dans un moment où on a demandé que c'est quoi sorti. Parce que les amis qui étaient capables de compter sur lui quelquefois, ils qu'on arrivait au bout, au coup de route, ils laguaient mais on. Parents que vous prenez naissance, ou qu'on a réfléchi, ou qu'on pense, les capables de faire route là jusqu'à la fin avec vous, les qu'on arrive dans un moment, les laguer bravo. Eh bien, laissez qu'on demande, quand est-ce quoi sorti? Même Jean Salissant dit dans le psaume 121, verset 1 à 2, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En pile fois, nous qu'on a demandé quoi secours nous a sorti. En pile fois, nous qu'on a demandé quoi assistance nous, quoi consolation nous a sorti. Mais un seul côté consolation nous a sorti, c'est dans le Seigneur. C'est peut-être ça, nous voulons la prière en ce sens.
pour aider au gain courage, aider au gain force pour capable faire l'évangile, pour capable marcher derrière Christ jusqu'au bout. En pile fois, nous qu'on désespérer, nous qu'on perdre toute force, nous qu'on pas garder de courage. Côté que nous rete, y a humilié, côté que nous a fonctionné, y qu'on pas vle wè ou. Mais yon seul bagay, kembe pied bon Dieu. Kembe pied bon Dieu, parce que dans le verset 3, il dit: aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. En plus, fois où qu'on fatigué en bas méprise, en bas humiliation, en bas déception. Mais bon Dieu a un plan. Bon Dieu a un plan pour chaque monde qui croit dans lui. Parce que à chaque monde qui croit dans bon Dieu, qui recevoir l'appel de Jésus-Christ, il a droit pour devenir l'enfant de Dieu selon Jean chapitre 1er. Il dit: à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que même le roi n'est pas de gens à tailler qu'on a aussi petit bon Dieu. Même les mamans t'a abandonné ou papa t'a abandonné ou qu'on est aussi petit bon Dieu. Dans le verset 4, il dit: notre âme est assez rassasiée de moquerie des orgueilleux, du mépris des rontins. Quelquefois, ou tellement qu'on fatigué en bas méprise, même l'amour qu'on arrivé fatigué, quelquefois qu'on arrivé dans un niveau où qu'on a demandé pour qui ça a été fait, pour qui ça c'est une famille ça où tu prends naissance. Oui, c'est une famille ça, oui, frère. C'est dans la famille ça. L'oroué ça comme ça. Kembe pied bon Dieu plus. Ou pas kembe pied bon Dieu en ce sens que circonstances l'on peut mettre au kembe pied bon Dieu. Mais au kembe pied bon Dieu parce que lycée on a mis jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Parce que maman ou pas on a mis jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Papa ou pas on a mis jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Hey, si vous êtes trompé de cela, m'espérez de tromper. Parce que maman, papa, ils ont mandaté pour vous prendre soin. Ils ont mandaté pour vous aider. Mais l'ami du dernier rendez-vous, c'est Christ. L'amour du dernier rendez-vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous, c'est l'Éternel des amis. C'est lui seul qui peut abandonner. C'est lui même seul qui est toujours là pour assister. Parce que bon Dieu a un pouvoir absolu. Absolu et un pouvoir insondable. Et pas gagner qu'à prendre pouvoir, bon Dieu, fait faillite. Comptez sur bon Dieu, mes bien-aimés. Dans n'importe situation, dans n'importe trahi, dans n'importe difficulté ou bien dans n'importe la mer rouge que vous avez traversé. Comptez sur bon Dieu, parce que dans Exode chapitre 15, dans le verset 3, il dit: l'Éternel est un variant guerrier, l'Éternel est son nom. Bon Dieu, son bon Dieu qui compte bataille, le bon Dieu puissant, il n'a pas jamais perdu bataille. Il est toujours dans toute bataille, lorsque bon Dieu avait, pas de bataille que bon Dieu avait, qui est capable de perdre, non. Bon Dieu, pape, non, lit pour perdre. C'est même gens, lorsque souffrance yo, lorsque humiliation yo, bon Dieu, bon temps qu'il fixé pour trahir yo, pour déception yo, puis au fini. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, il dit que bon Dieu pas jamais quitté une souffrir au-delà de force nous. Avec même souffrance là, il qu'on utiliser pour l'ouvrir une porte pour nous.
C'est-à-dire que lorsqu'on a souffert, bon Dieu qu'on capacité. Bon Dieu qu'on capacité. Et quelquefois, même lorsqu'on souffre sans Dieu, toujours qu'un bébé, bon Dieu. Nous pourrons prier, mes bien-aimés. Nous croyons que bon Dieu va reconforter. Ou même qui gonde l'eau dans le jeu, bon Dieu va barrer force. Pour gloire à nous. Amen. Seigneur infiniment, Père d'amour, nous plions nous devant, nous baissons bien bas devant, Père céleste, pour nous lever la voix pour ceux qui pas capables. Pour ceux, Seigneur, qui fatigués en bas épreuve de la vie, qui fatigués en bas déception, qui fatigués avec humiliation, Seigneur. Eh bien, bon Dieu vivant, où c'est l'ami du dernier rendez-vous? Où c'est meilleur ami, yon ami qui est fidèle, yon ami, Seigneur, qui est incomparable? Nous levons ici là, Père Céleste, qui n'est pas capable encore. Gen moun, il kon envie courir parce que humiliation qu'on empile pour lui. Déception qu'on empile, Seigneur. Yo qu'on en pile, yo qu'on a réfléchi, qui ça pour yo faire, qui ça pour yo faire, pour être satisfait de yo. Des fois humiliation, c'est Mario qui qu'on a offri à yo même. Et que Marie humiliation par là, c'est Madame ni qui qu'on a offri à lui même. Et que Seigneur c'est un enfant yo. Et bien soir Seigneur nous vient la manteau en ce sens. Baye force, baye courage. Chaque monde qui en bas on traite, chaque monde qui en bas, yon humiliation terrible, Seigneur. Yon humiliation qui sans pareil, yon humiliation, nan yon fatigué, l'esprit fatigué. Eh bien, Seigneur, ou même qui donne la force à celui qui est fatigué, qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous demandons force, nous demandons courage. Parce que dans l'humiliation nous qu'on trouve nous, c'est là où qu'on a profité former nous. C'est là où qu'on a profité ben nous laissons Seigneur. Et bien soya, demandez au Père céleste, chaque monde qui va attendre prier ça, qui gon souffrance, qui gon vallée de souffrance, n'a demandé au réconforter au Seigneur. Reconforté pour gloire non Père céleste capable manifester par l'œuvre parce que gen moun Seigneur ou connaît bien lorsque délivré lorsque va passer avec on va aider le passer classe de humiliation ça les gon action de grâce pour l'offrir au même les gon remerciement les gon cadeau pour le porter fait à l'église du Seigneur et bien nous lever la voix. Ça n'est pas capable. Ça est Seigneur qui boit de l'eau dans le jeu comme breuvage. Gen moun Seigneur crie matin, crie midi, li crie à souhait, li kon couche tout mon abdomi, li même seul jeu clair, li pas capable de dormir. Et bien nous lever la voix, Seigneur. Nous m'en devons réconforter, baye force, Seigneur, baye courage. Pour gloire non, pour gloire non, pour gloire non. C'est la prière d'adresse devant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, l'orange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse mes bien-aimés. Que le Seigneur prenne soin, que le Seigneur garde. C'est tes frères Expérience Toussaint qui t'appelle à prier avec eux pour gloire à bon Dieu et pour le lèvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Jésus lui-même.
Oh.